Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Ici Wookie88 pour YouTube et Dr. Chewie, Mr. Wookie pour Twitch. Dr. Chewie pour vous servir. Oui, je range mon bordel. J'espère que vous allez bien. Moi, bon, bah, perso, hein, ça va. On se retrouve pour le 56e. Bah, j'ai pas regardé, tiens, avant de lancer. Non, 57e. Speedstorm. Bah, aujourd'hui, on va faire de, comme d'habitude, hein, mais en plus, on va enfin continuer le pass. C'est bon, c'est bien beau de... Salut Kaido. C'est bien beau de faire les trucs, mais il faut aussi pouvoir avancer dans le pass, quoi. Bon, il y a encore du temps, mais... Alors, on reçoit du Shang. Shang, mec, belle, ok, ouais, bon. Ah, c'est toujours ça de prix, hein, on va pas trop se plaindre. Hein. On obtient l'hippocampe messager. Alors, 12 pour gagner une étoile. 13 pour gagner une étoile. Ça, on achète. Du Jafar. 1 pour débloquer. Et bon, on va l'acheter aussi. Hop. Ah, synchronisation. Bon. Nanana. Le roi Agnor. Ah, c'est papa Raid des Neiges. 13 pour débloquer. 13 pour gagner. Bon, allez, c'est bon. Hop, on prend. Voilà. Ok. Le quotidien. 6 crédits pour être universel. Ça, c'est cool. On pourra économiser 60 000 pièces. Et demain, Lilo. Et demain, j'aurai enfin ma petite Lilo. Yes, 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 yes. Non. Mission. Glisser sur des rails 15 secondes. Ok. Il me faudrait être la manette. Glisse sur des rails pendant 10 secondes. D'accord. Avec des canailles. Et fonce sur des adversaires 15 fois. Donc ça, bon. Ça sera avec de la brute et compagnie. On le fera au fur et à mesure. Donc, une canaille et des rails. Simplement. Une canaille et des rails. Ça, je ne peux pas le faire. Ça non plus, il me semble. Ouais. Est-ce qu'il y a du bonus avec quelqu'un? On peut améliorer Jafar. Bon, on va prendre Jafar, allez. Comme ça, je le teste. 3 compétences, boost manuel, dérapé. Ok. Hop. Voilà. Bah, sélectionné, y'a pas le choix. Hein. Hmm. Comment ça va, Kaido? Quoi de beau? Quoi de beau, bobo? Il me semble que je ne l'ai jamais testé, Jafar. Il me semble, hein. Je suis pas sûr, mais. Casse-toi. Bon, faut pas que je fasse non plus le guignolo parce que j'ai que un level de différence avec le niveau recommandé. Par contre, c'est pas une canaille, Jafar. C'est une brute, non? Mais elle me casse les... Hein? Pour être poli. Elle veut pas se les bouffer, hein, mes compétences, hein, sale bête, hein. Expérience 6, 2, 4, là.
en a un qui est parti en hors carte là, j'ai l'impression. Donc, il a totalement disparu sur la carte une fraction de seconde. Et j'en ai profité pour prendre de l'avance. Salut. Oh, t'as les cheveux tout verts, t'as mangé quoi? Salut Cédric. J'en sais rien. J'avais un truc vert dans mon frigo, je l'ai mangé. Et puis bah, j'ai les cheveux qui sont devenus verts aussi. Comment ça va? Oh, t'as toujours pas Discord, espèce de rongeur? Hop, on récupère une pièce d'infar, nickel. On a embarqué les points. Alors, ensuite. Bon, il faut du sprinter. Ben, on y va à coup de cocotte, hein? Non. Et il y a un ossature sauvage qui vient d'apparaître. Pokémon Gardos, tir B, type sol. Stat total 425. Il fait partie des quêtes sans faire partie pour les tentatives de capture. Donc, quel qu'il soit attrapé ou non, ça fonctionne. Mais faut tenter, bien entendu. Hein. Hop, dégage-toi. Ah, raté. Tu vois, Kaido, quand j'essaye de glisser tout le long, je me bouffe tous les murs. J'arrive pas à maîtriser la glissade comme il faut. Bon, j'arrive à la maîtriser, hein. Je vais pas dire le contraire, hein. Mais j'arrive pas à la maîtriser en glissade continue comme les joueurs assez professionnels. Hulk numéro 2, tu m'étonnes. Ouais, mais Hulk il a les cheveux noirs, il a les cheveux bruns ou noirs, je crois. Et pas jaune. Enfin, fluo. Bon, au cas où que t'aies pas compris, hein, c'est une perruque. Hein. je l'ai acheté. Je crois que je l'ai acheté 1 euro au Nouvel Air à Asnon. J'ai aussi acheté une casquette lapin, le Quickie de Nesquik, là, enfin le lapin de Nesquik. J'ai pris quoi encore? Une cagoule de tigre. Et un autre truc, je sais plus quoi. Mais elle est longue la course, bordel. Je dois le faire trois fois. Hein. Non, bah non, c'est du pas cher. Hein. Bon, c'était pas en rayon, hein, mais je leur ai demandé s'ils avaient des trucs, des perruques, des chapeaux fantasy. Ils m'ont dit oui, du carnaval. Je dis oui. Puis bon, bah, j'ai vu la perruque, bah, j'ai pris. Hein. Bon, on voit pas sur la cam là parce que c'est un peu. Bon, malgré que c'est une nouvelle cam hein, qui est une meilleure qualité. Mais on voit pas trop, mais j'ai les boîtes derrière avec les perruques, les chapeaux. Au fait, comment qu'elle va ta mère? Ça fait un bout de temps que je suis plus passé. Dégage. Dégage. Circule virgule que je passe. Ah, c'est circule virgule où je t'apostrophe. Mais c'est plutôt circule virgule et je t'apostrophe. Aïe. Eh hey, Vanellope, t'as trop graillé de sucre là, tu conduis plus droit là.
Elle a le feu à la carlingue. Avec la cagoule, va pas braquer un magasin ou une banque. Lol. Un peu false labor comme moi et toi. Oui, bon, ça. Bon, un peu false labor. Non, peut-être pas quand même. Non, à mon avis, si je vais essayer de braquer une banque ou une connerie comme ça, il me prendrait pas au sérieux, je pense, avec ça sur la tronche. Mais la cagoule tigre, c'est juste. On voit tout le visage, hein, c'est juste une petite cagoule qui met des oreilles. Bah dans le pire des cas, regarde sur les sur ma chaîne YouTube, sur les dernières vidéos postées de Speedstorm, il y a deux vidéos que je fais d'affilée avec la capuche, enfin avec le chapeau tigre. Il y a le lien en dessous du live, ou bien il faut attendre que Kikette mette l'annonce. Moi ailleurs, comment ça moi ailleurs? Faut faire des phrases un peu complètes, hein, parce que même si c'est un truc en rapport avec ce que j'ai dit, il y a du décalage entre ce que je dis et ce que je peux lire sur le live. Et comme je parle beaucoup sur le début du live, je fais pas trop attention à ce que je peux, à ce que je raconte. Dégage la sucrerie. Ah j'ai raté le... Je crois que j'ai raté le truc de boost, non? Ouais, j'aime pas trop les courses qui sont longues comme ça, surtout quand il faut la faire plusieurs fois d'affilée. C'est assez casse-pied quoi, c'est 2 ou 3 minutes à peu près pour faire les deux tours quoi. Oh ça fait que 9 minutes hein, mais c'est long quand même des fois. Ah, on dirait que c'est long, mais bon 3 minutes c'est pas vraiment long quoi. Ah, je suis déjà au deuxième tour. Ok. Ah, ça ralentit là-dedans, ouais, j'ai oublié. C'est les trucs roses qui ralentissent pas trop. Tandis que le bleu, il ralentit dès le début. Hop là. Circuit d'une demi-heure 7 minutes par tour. Oui. Ouais mais bon, attends, entre l'IRL et le jeu, c'est différent, hein. Bon, ça c'est terminé. Ça je ne peux pas le faire parce qu'il me faut joie, tristesse, colère. Là, il me faut du Stitch niveau 22, c'est pas faisable. Du Kermit. Et là, bah, je peux que gagner la course.
Ok. Ah, Gran Turismo 6. Ben, pour dire, je me suis arrêté au 5, hein, donc... je crois que j'ai vaguement joué un peu au 6, mais sans plus. C'est bon, c'est bien, je kiffe pas trop les Gran Turismo. C'est surtout au niveau des permis qui me cassent les... Voilà quoi. Enfin, les jeux qui nous cassent les jouquettes pour être obligé de faire de récupérer des permis pour faire le jeu, ça m'énerve. Ça me saoule, en plus souvent c'est des conneries contre la montre et compagnie. J'aime pas le contre la montre. Voilà, tu vois, pour mon temps là, je fais pas spécialement attention, hein. Je mets 3 minutes pour faire le tour, bah je fais 3 minutes quoi. Hein. Bon, j'essaye tout le temps de faire des meilleurs temps quand même, mais bon. Je suis pas non plus un pro des jeux de course comme ça. Donc ah, il est un peu long ce circuit aussi. Bon, je pense qu'aujourd'hui on fera un peu plus court que d'habitude, donc je vais faire les quêtes quotidiennes. Hein. Je pense que je ferai juste le passe d'or. Peut-être en vitesse les quêtes quotidiennes si elles sont pas finies. Parce que j'ai du boulot derrière à faire. Parce que c'est pas en faisant 30 ou 40 minutes par jour que ça va être fait quoi. Le copain il va se dire ouais bah faudrait peut-être que tu accélères un petit peu hein. Mais bon normalement aujourd'hui il va pas flotter donc je pourrais faire plus que hier. Parce que hier, bah comme t'avais dit, hein, Cédric, hein, je suis parti à 19h20, à 20h j'ai dû arrêter parce qu'il flottait. Toi, c'est ça, c'est Need for Speed. Oui, bah oui, mais toi, t'es surtout fan de ce genre de jeu. Moi, par exemple, les Gran Turismo ou les Farming Simulator, là, c'est mort, quoi. C'est pas mon kiff et j'aime pas trop. Non, c'est pas Cocolastico, c'est peur. Enfin, fear, avec de beaux éclairs. Non, ça va, les éclairs étaient pas trop... Ça tenait, mais les éclairs étaient pas trop là. Je suis rentré avant que ça tape vraiment fort, quoi. Bon, ça m'a pas empêché d'être trempé en 5 minutes, hein. Le temps de... Parce que je me suis abrité un peu quand ça a commencé à déverser. Et puis, bon, bah, d'attendre, ça voulait pas trop s'arrêter. Donc, bah, j'ai attendu une petite accalmie. J'ai rangé la charrue ancienne. Sous l'abri. Et puis je suis redescendu, bah, juste le fait de redescendre de derrière à la maison, j'étais trempé comme une souche. Ah, Brutus. Mais bon, effectivement, quand je suis rentré, je me suis fait un petit dessert et puis j'étais à la fenêtre en train de regarder les éclairs. Bon, il n'y en a pas eu des masses. Enfin, il n'y en a pas eu des masses de beaux. Eh, mais je suis deuxième, moi. Ah, purée, il y a Kaloun dans la course. Bon, il manquerait plus qu'il y ait Jumba en plus. Bah, je crois qu'il y a en plus, non? Mais arrêtez de me bombarder, bande de charognards! J'ai un pauvre petit Wookie. Viens bouffer voir mes brocolis, là. Eh,
même elle prend de l'avance, la canarde, là. Tu vas te bouffer ça. Oh! Allez, vous faire ramonner. Bon, ça sert à rien de passer en haut, ça me fait perdre du temps. Allez, vas-y, bouscule-moi. C'est bon. Eh ben l'autre était pas loin derrière. Hein. Casse-toi la mouche ou je te bouffe. Deux secondes. Une pièce de dégoût. Il y a un Luxio qui vient d'apparaître. Pokémon étincelle, tier B, type électrique. Stat total 363, effective ball, la magnette. Voilà, ça c'est fait. Maintenant on passe à tout commencer avec un rat. Tout a commencé avec un rongeur. Niveau 10 recommandé. Il me faut une canaille. Hop, allez, on embarque la vergère. Il me faut du rail, hein. Normalement, il y en a deux ici. Enfin, ça dépend aussi du circuit. Ouais, il n'y a pas les rails. Ok, bon bah... Bon, j'aurais pu quand même prendre les raccourcis, hein, enfin, en final. Ah si, il y a des rails. Que deux rails. Bon, il y aura toujours un petit peu de fait, je pense. Peut-être pas les 15 secondes. Quoique. Oh non, il y aura pas les 15 secondes. Enfin, on va voir, hein, tout simplement. Hein. Hop, blanc lumineux en double. Et des pièces de Mickey en double. Ok, donc il n'y a pas eu les 15 secondes. Mais là, il me faut bel niveau 22, c'est pas la peine. On va prendre une autre canaille. Hop. Bon, ici, je crois qu'il n'y a pas de rail non plus. Bon, s'il n'y a pas les rails, hein, c'est pas grave. Hein. Tant que je peux prendre la canaille, ça va. Puis bon, s'il n'y a pas de rail, bah, il y en aura bien dans les courses. Dans les courses, du passe d'or. Hein. Thank you.
tour. Ah, la meilleure trajectoire, il faut couper derrière l'armure. Il déconne, hein. J'ai deux boutons qui déconnent, le Y déjà, bon c'est pas d'aujourd'hui, et j'ai le X qui commence à merdouiller aussi. Hop là. Hop, on récupère le gacha. Une pièce de belle. Je peux l'augmenter encore belle ou pas. Voilà, encore un peu faible. Hein. Oh, il y a Jumba dans la course. Burk. Devant l'armure. Voilà, enfin devant la première armure. Ça c'est Jumba. On va chercher plus loin. La capacité spéciale de Jumba, c'est un peu comme la carapace bleue dans Mario. Elle vise le premier. Raté. C'est la capacité d'Angèle. Passer entre la première et les deux. Ok, là un peu du coca, mais bon, on n'en va rien dire. Le défi quotidien, il faut du livre de la jungle, il faut gagner une course niveau 15, ok. Donc on va faire ça en deux parties, compétences spéciales, top 3 code compétences. On va prendre la sucrerie. Enfin, sa sucrerie. Alias Turbo. Et ici, il y a du rail. Ah,
Je pense qu'on finira une des quêtes de glissade de rail, sous le rail. Le petit car au-dessus là. Utiliser 4 compétences. Gagner top 3 et une compétence spéciale. Voilà. Ah, il y avait qu'un tour. Ok. Nickel. On récupère la première partie des récompenses. Bon, c'est une nave, hein. Hop là. Et maintenant, niveau 15 recommandé. Mugby ou Balou. Il n'y a pas trop le choix, il n'y a que les deux là. Alors, Mowgli, il est niveau 17, il peut up. Et Balou, il est 14, il peut pas up. Ok, bon, toi, on va te mettre un niveau dans le nez. Hop. J'ai des géants là, il veut. Ah mince, c'est un sprinter lui. Ouais, donc ça sert à rien de tenter la quête. Donc, objectif, juste transer. Ouf. J'ai failli me bouffer les crabouilleurs là. Partir dans le décor, moi. Hop, voilà. Hop, emballé, c'est pesé. Et la dernière, la bergère. Moins de recommandé. Elle est quel niveau la bergère? Niveau 25. Bon, ça va. Ben, je me rappelle plus les quêtes. Gagner à course 15 secondes et 3 compétences spéciales. Ok. Gagner à course 15 secondes. Gagner à course et déraper. Apprends à lire, ok. Et dans 2 minutes, il y a un Pokémon. Ça va, il y a deux tours. Normalement,
encore une compétence spéciale et ça devrait être bon. J'ai Jesse qui me colle. Péronel. Je vais dire autre chose. Compétence spéciale, hein. Ah bah voilà. Je suis peut-être demandé. Pour savoir, en plus j'ai pris l'avance. Hop. Et il y a un canard tichot qui vient d'apparaître. Pokémon canard fou, tier C, type normal vol. Stat total 377. Et c'est le simple canard tichot. Ce n'est pas celui de Galar. Puisque le canard artichaut de Galar, il peut évoluer en pâle artichaut. Torchager, la bergère. Wow, ça lag. Hop, et on a les glissades de rail. Nickel. Nouvel équipier. Enfin, le cochon, j'avais déjà non. Ah non. Hop. Et bon, on lance une deuxième, une autre course. Hein. Bon, là, il y a juste à rien faire, quoi, à faire la course. Un artichaut s'est échappé, personne ne l'a attrapé. Fini de me fumer là, toutes les charognes. Bah, là j'ai pas raté le rail. J'ai failli perdre mon avance à cause d'une connerie. J'aurais perdu mes deux gachas. Ok, ça c'est fait. Nickel. Bon bah tout ça est fait. Oui, blabla, on s'en fout. Hop.
Maintenant, on passe au passe d'or. Alors, avant, je vais au water. J'arrive, à tout de suite. Non, voilà. Aïe. C'est bon. J'ai cru que je m'étais rouvert la main. Aïe, hier, en faisant la boîte, le repas des chats, je me suis entaillé la pâte avec le couvercle. Il me faut un tank. Hop. On va faire ça avec lui. Il faut percuter encore quelques guignols. Voilà, il y a juste normalement une course à faire pour récupérer les deux items manquants. Bon, en ayant pris Félix, hein, c'est sûr de finir premier. Hein, bon, je vais pas dire les yeux fermés, hein, c'est pas vraiment faisable. Hein. Mais ça va, le circuit n'est pas trop long. Bon, avec Félix, il se fait plus vite aussi, puisque bon. Généralement, c'est avec Félix que je peux faire facilement les utilisations de boost. Parce que justement, il a souvent du boost et il est souvent avec deux barres de boost. Hop. Bon, j'ai un peu bafouillé juste avant. Ma manette est cuite. Enfin, non, elle n'est pas cuite, elle est sec, quoi. Hop. Hop, voilà.
Ah bah ça marche mieux quand il y a du jus dedans. Hein. Ah, ça doit faire 4 jours que je l'ai pas chargé, 4 ou 5 jours. Hop, on récupère les 10 items. Voilà, c'est bon, ils sont. Enfin, on récupère les 2 derniers items. Ah, il est fâché. Ouais, cool. Hop, bon bah c'est tout bon. On passe au chapitre 3. Sauver les îles. Il faut diviser ça niveau 15. Top 3, gagner un cours, c'est rester dans les airs 6 mondes. Ok. Ah, c'est vice versa ou livre de la jungle. Ok. On va augmenter des coups. On prend qui? Bon, on va prendre des coups, allez. On vient de l'augmenter. Il faut rester dans les airs 6 secondes. Et gagner à cours. Et percuter des pinoufs. Enfin, la même occasion. C'est dans les airs, je veux bien, mais... Je veux bien rester dans les airs, mais il me faudrait peut-être des trucs pour décoller, hein. Ah oui, il y a juste ça. Ok, juste ça. Bon, on dirait bien que si. Hein. On va arriver soit à l'arrivée, on va arriver à la ligne d'arrivée. Ça risque d'être un peu court, non? On va essayer dans les airs suffisamment. À mon avis, il faut le faire avec le boost aux deux endroits. Aux deux décollages, à mon avis, il faut garder du boost. Pareil là, à mon avis, il faut sauter et utiliser le boost. Attendez à nouveau, hein. Je vais essayer en essayant de garder le boost pour le décollage là, à chaque fois. Ah,
parle, c'est des fractions de secondes. Qu'est-ce que tu veux, que tu vas rester plus de 6 secondes en l'air? Après, de toute manière, je suis proche de la ligne d'arrivée là. Et c'est un Eliatron, Pokémon Soleil, tiré avec les types plantes. Stat total 425. Ah bah voilà. Moi, c'était ça qu'il fallait faire. On passe au niveau 25. Fallait utiliser le boost au niveau du tremplin pour gagner, pour rester le plus longtemps possible en l'air. Et puis utiliser le petit décollage d'escalier qu'il y a au début de la course. Là, on récupère des morceaux de peur. Alors, ensuite, Mulan vice versa niveau 16. Gagner la course et réaliser 5 acrobaties aériennes. Bon, c'est pas normalement, c'est pas compliqué, il suffit d'avoir un petit décollage, un petit turbo décollage pour les gamelles, les cascades, c'est tout. Ou des flèches, des turbo flèches aériennes. Déjà le... Ah oui, bien sûr hein. Bon. J'en ai fait 3 déjà. 4... Voilà. Les ailes, les gamelles et les acrobaties, hein, ouais. On est pour au moins 12. Hop, ça c'est fait. Tac, direction de 4. Et le coffre à 13 euros. On récupérera après. Gagner la course. La belle, vice versa. Ok. Ouais, on va tenter avec Belk. Bon, je cours pas après le personnage là. Hein. Bah, j'ai quand même quelques favoris, hein, bien entendu. Hein. Et puis d'autres que moins j'utilise, mieux je me porte. Hein. Wow, tu viens de me faire bobo là. Je
ça c'est Jumba. Déjà toi tu dégages. Et toi pareil. Tout juste. Aïe. Mais c'est pas possible, Jumba, là. Non, mais sérieux, là, bordel. Bordel. Il me casse les jouquettes, hein, le Jumba là. On passe niveau 1-6. Hop là, 26. On récupère 20 000 pièces. Prochain, c'est un gacha. Hop, on récupère nos deux pièces là. Trois, pardon. Allez, là. Donc, gagner un cours, c'est deux compétences spéciales, il faut du Toy Story. Ok, bah les trois. Putain, lui, ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas monté. Oh, je prends Jessie. Deux compétences spéciales et gagner la course. Ok. Une compétence spéciale. Et la deuxième. Voilà. On profite pour prendre un petit peu d'avance. C'est l'autre rail qui est le mieux. Celui de droite, il est mieux que celui de gauche. Le feu, j'en ai marre. Bon,
peu importe ce qu'il me donne maintenant. Je suis premier, même si je merdouille, je perdrai pas trop d'avance. J'ai eu les compétences spéciales. 4, je crois, ou 5. Hop. Hop, niveau 27, on récupère le gacha. Non, c'est le qu'on a dedans. Après, il est dégoûté. Dégoût, peur. Ouais. Encore 4 pour changer de level. 4 pièces de Chang. Maintenant le 5, c'est le défi brouillard, je crois. Ouais. Gagner la course avec Mulan. Ok. Gagner la course. Ah, c'est un circuit que j'aime pas trop, par contre. Bon, j'espère qu'il va pas flotter encore aujourd'hui, hein. Non, le ciel y est propre là. Ce que j'aime pas, c'est qu'il y a les écrabouilleurs là. Enfin, les trucs qui cachent les turboflèches là. Les pylônes, les piliers. Bon, enfin bref, les trucs qui cachent les accélérateurs et puis qui nous écrasent. Là. Là, je peux pas trop savoir où est-ce qu'ils sont, les autres, hein, s'ils sont proches de moi ou pas. Bon, c'est normal, c'est l'objectif du défi brouillard, quoi. Le tour il est pas encore fini. Ah bah enfin, purée. 1 minute 20 le tour. Ah c'est bon, il n'y a pas les scratchers. Et là on voit pas trop les pièges arriver, hein. Bon, quand on est en première position c'est pas trop grave. Allez, allez, plus vite. Bah oui, bah joue-y. Tu verras si c'est facile d'aller plus vite. Pas le bête. Espèce de rongeur. Non mais Kiquette, elle réagit seulement là. Vas-y, allez plus vite là-dedans, toi. Pour rien. Pour pas les virages arriver. Ah, d'accord. Complètement cuté le rail. Hop. Oui, c'est là de droite qui a pas marché. La manette de droite, ça marchera mieux, ça marchera mieux. Tu te feras pas bloquer, le message sera pas bloqué. Hop, niveau 28. Ah oui, bah c'est sûrement ça, alors j'ai doublé le frein à main, ouais. C'est qui ça? Ah c'est qui? Ah c'est Meg.
1 pour récupérer 4 pièces d'infort. Nickel. Ah, tiens, c'est la 9. Le 9 là, je peux pas le faire, il me faut buzz. Vice versa, niveau 17. Et il y a un tic sauvage qui vient d'apparaître. Tiercé, type acier. Stat total 300, effective ball, manier ténestre. La prochaine course, tu passes le mur du son. Peut-être, c'est avec peut-être, ouais. Il faut gagner, enfin gagner la course et passer sur 8 flèches. Nickel, ça se fait facile ça. En plus j'ai pris peur, donc j'ai un avantage de 20 km/h il me semble. De 20 niveau, pardon. Ouais, il y en a déjà une, deux. Ah, c'est le speedway. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. 1500 km/h. Ah ouais, non, peut-être pas. Là, c'est du 190 à peu près qui fait peur. Enfin, quand il y a du turbo. Sinon, ça bloque à peu près à 150, je crois. Enfin, on peut pas trop savoir, il n'y a pas assez de ligne droite dans le circuit là. Mais là, déjà, je suis monté à 154. 157. 157 maximum. Sans utiliser de turbo flèche et de boost. Twingo. Ouais, non, je pense pas. À mon avis, tu peux enlever un 0 hein, pour ta Twingo. Et encore, je sais même pas si le compteur monte à 150. Si, je crois que c'est 160 hein, ta Twingo. Alors, Mickey, vice versa. Gagner un course et étourdir 5 adversaires. Course à la bombe. On va prendre le canard laqué. 180. Ah ouais, quand même. Bah, fais gaffe de pas te faire flash, hein, parce que bon, à mon avis, ça fera pas, ça sera pas agréable à ton permis, hein, à ce prix-là. Enfin, à cette vitesse. Mais cassez-vous, bande de charognes. Balancer devant, crétinus. Tribunal, suspension de permis entre 6 à 24 mois et 6 points en moins. Oui, voilà. Donc vaut mieux éviter, hein. Ah, j'ai pas étourdi les adversaires. Bon, on va la refaire, hein. Oh oui, tu m'étonnes. 29. I tried so hard and got so far, but in the end...
Un pour faire la course. Augmenter dingo ou dégoût. On va augmenter dégoût. Voilà. On fait une course à la bombe. Hop. Je vais les laisser partir un peu devant. Coup de poing dans la figure pour les assommer. Non, je sais pas, je crois que ça empirerait la situation. Je pense, hein. Ouf. J'en ai touché un. Bon, il y a deux tours. Hop, on va laisser un peu. Hop, en bla deux. Trois. Quatre. Pour être sûr. Hop. À voir s'ils sont bêtes. Oui, non, je crois pas. Ah, c'est pour ça que j'en avais pas beaucoup des adversaires en Dexis. Voilà. Hop. Venez à course et étourdir 5 adversaires. Foncer sur des adversaires 15 fois, nickel. Alors, bon, on va récupérer notre récompense. Maman de Riley. On gagne une étoile pour la maman de Riley. Niveau 2. Alors, là, il faut du Mickey Mouse. Niveau bah, Mickey Mouse, tout simplement. Et gagner la course. Bon, ça va pas être difficile, hein, la crotte de nez est 31. Gagner à course, donc il y a juste à transer quoi, en gros. Donc, ça va pas être difficile à transer, hein. Bon, c'est le grand circuit, hein, mais bon. Oh wesh, raté. Raté, palonné.
putain, j'ai chopé un petit peu de boost là, j'ai même pas fait gaffe. Là je dirais aller 20 secondes. De 22, de 49, ouais. 27. 27 secondes d'avance. Ah j'ai un cheveu qui pendouille. Bah oui, bah gagner la course. Hein. Hop, on passe niveau 30. On récupère des morceaux de peur. On récupère tout de suite. Là, prochain objectif, prochain truc, maman drive. On récupère 2-4 pièces de laqué. Il faut buzz donc je ne peux pas. Ah bah oui bien sûr j'ai pas buzz et puis là il y a des pièces de Wally hein. Le livre de la jungle vice versa. Il faut gagner la course. Hop, niveau 29. Gagner la course. Il y a juste ça à faire. LOL. Quoi LOL? Bah c'est les sons du live hein. Il manque des sons là encore. Ah. Oh putain, t'es malade, non, non, il est passé à l'angle le feu. Juste, je me demandais c'est quoi qui me chatouillait l'oreille. Pegasus lol. Non non c'est pas lui. J'ai colère qui est deuxième. Et il y a un lit au sort qui vient d'apparaître. J'ai raté là, j'ai oublié de sauter en passant. Et si on le lit dans l'autre sens, un Roswell vient d'apparaître. Yeah.
Donc Pokémon Cerveau, TRC, type Psy. Total 335, Effective Ball, la Cipher. Niveau 31 et passe d'or niveau 31 et on récupère la maman Drailey, des morceaux de donc là vice versa. Et Liusor s'est échappé, personne ne l'a attrapé. Donc de gagner un cours, c'est rester dans un sillage pendant au moins 15 secondes. Oh, ouais. J'aime pas trop rester dans le sillage, c'est long. Mais pas non, c'est pas long, c'est un peu chiant quoi. Surtout que mes personnages sont assez avancés au niveau de la vitesse, donc. Secondes ou pas? Attends, il y a deux tours. On va laisser un peu tout se passer. C'est pour ça que j'aime pas rester dans les SIA, c'est chiant. C'est bon, je trans. Dégage. Je pense que je les ai les 15 secondes. Voilà. Bon, j'espère que j'ai eu les 15 secondes, hein. Oui. Scolaire 10. Ah, ça y est, je l'ai. Enfin, j'ai colère. Yes. Hop, on récupère ça. Et le coffre.
On va prendre Vanet, la cocotte. Oui, là, là, là. Casse-toi. Attends. J'ai cru que Vanellope allait s'envoler là. Ah, Brutti! Con de Wookie! Non, ça arrive, ça, c'est mieux, Brutti de Wookie. Oh, c'est lui là. Chaque fois, j'ai un peu, je risque de m'envoler, moi. Bon, je savais plus où donner de la tête, là. Il y avait les crabouilleurs, il y avait les flèches, il y avait les couteaux sur la route. Beautiful girl. Voilà, déjà deux items. J'ai 800 améliore. Ah, Erendel là. Ça va, en plus j'ai économisé les pièces violettes justement pour colère. Là je vais pouvoir acheter plusieurs packs, tout ce que je peux acheter en pack hein, avec je crois que j'en ai 5 des pièces violettes. Donc je peux acheter 5 boîtes colère. Je risque de débloquer Riley en colère. Il me semble que j'ai quelques pièces déjà. Je suis pas sûr hein, mais. On verra juste après. Oh! Il y avait un petit peu trop de vitesse, là j'ai pas...
Hop, voilà. Et on récupère deux autres items. Amélioration, amélioration. Non, on a récupéré que des améliorations dans les coffres là. Et dans deux jours, là, d'ici là, on aura peut-être Buzz. Faut pas rêver. Pilote polaire. Bon, on va le maxer avec toutes les pièces possibles que j'ai. Hop, parfait. Il n'a pas de combi. J'ai pas de pièces de carte. Belle, on va la mettre au niveau 20. Voilà, étoile supplémentaire. Compétence spéciale déverrouillée. Voilà. Ensuite, boutique. Boîte saisonnière colère. On est 9. Ah ouais. Ah, il est fâché, je suis bête. Pilote d'hélicoptère. Encore une pièce de Riley, c'est bon. On déverrouille la capacité, l'équipier doré. Meg passe au niveau supérieur. 2, je crois. Non, 3. Pom pom. Congo le clown, ok. On récupère encore des pièces de colère. Je veux Riley fâché. Oula. Ah. J'ai cru que j'avais planté le jeu. Ah bah voilà. On débloque Riley. Riley fâché, équipier doré. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a beaucoup de pièces de colère. On va en prendre juste un colère. Voilà. Ensuite, on va prendre deux dégouts. Il y en a. Deux pièces de dégoût, nickel. Hop, on en prend un. Oh bah, Riley est dégoûté, nickel. Ah, il manquait deux, puis il manque deux pièces pour le... Et on va reprendre deux pièces de peur. Hop, Riley a apeuré. Bon, je suis encore loin de débloquer le niveau suivant. Et... le dernier. Peur. Ah oui, logique, je suis bête. Riley a apeuré. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les boîtes? J'ai 5 pièces. On va en utiliser 3. Il y a un lampignon sauvage qui vient d'apparaître, Pokémon luminescent, IRB type plan de fée. Stat total 405. Yeah. Ah, première pièce de Kaloun. Et le dernier.
un ou du Kaloun pour retenter. Allez, on tente sûr. Fazou. Ok, que dalle. Nickel. Et un 10 000. Ok, rien. La boutique, c'est dans 2 heures. Et l'ampignon a été attrapé par le Wookie. Et ce sera le dernier Pokémon du live. Mickey, Mulan, l'œil de la jungle, Pirates des Caraïbes, Hercule, la Belle et la Bête, c'est tout. Ok. Non. Ok. Nickel. Bon bah on va se stopper là. Hein, après 1h38 de vidéo. C'était Dr Chewy, Mr Wookie ainsi que Wookie 88. J'espère que ça vous a plu. Bah n'hésitez pas à commenter, vous abonner, le pouce, la cloche, le petit partage, enfin bref, hein, vous connaissez la chanson. Hein. Ou à me rejoindre sur Discord, Twitch, Kick éventuellement. Donc bah sur ce, le Dr Chewy vous dit à ciao babouille. Bisous.